Yo tout le monde, c'est Kessler, je préfère vraiment ça super bien. Donc alors aujourd'hui on se retrouve donc sur la quatrième tâche syndicate de Battlefield Arena. Donc cette fois-ci je vais parler, je vais vous expliquer aussi comment débloquer donc le sniper Knockout 300. Je sais pas si j'ai une bonne prononciation anglaise, je suis un français, je rappelle pour ceux qui le savent pas. Et le français galère un peu avec la langue étrangère, même avec sa propre langue j'allais aussi. Bref, il vous faut donc un prérequis tout d'abord, donc comme les trois autres trois autres armes. Il faut donc un prérequis, il faut d'abord débloquer le Mac 10. Donc le Mac 10, c'est la tâche est indiquée, c'est une tâche affectation professionnelle 2, normalement le nom de la tâche. Vous verrez sur le Battlelog, elle est indiquée, on vous explique comment faire. Une fois que vous avez le Mac 10, il vous faut donc acheter 10 armes ou 10 gadgets ou bien kif kif, enfin on va dire spécifique donc aux professionnels. Ensuite, il vous faut donc débloquer une étoile en or professionnelle. Donc tout simplement une étoile de service en or professionnel. Il faut faire 275 000 points comme je le disais dans les trois autres vidéos. Et oui, ça change pas pour ceux qui me suivent depuis le début. Donc à peu près ça fait comme je disais avant 10 packs bronze donc de 10 000 chacun, 10 000 points d'XP, 10 packs d'argent de 15 000 points d'XP et un pack d'or pardon de 25 000 d'XP. Une fois que vous les avez tous débloqués, vous avez donc pouvoir débloquer la tâche. Et là donc l'exigence donc pour débloquer donc l'arme, il vous faut donc tuer 200 ennemis avec les fusils de sniper. Donc ça peut être les semis, si vous galérez avec les verrous n'hésitez pas à passer directement sur les DMR, donc les anti-sniper, les semi-auto. Voilà. Par la suite, il vous faut donc débloquer 10 fois donc dans ou bien en 10 dans 10 manches la réputation 4 du professionnel. Donc je rappelle que la réputation c'est ce qui se débloque petit à petit, qui vous permet donc de faire un choix entre deux compétences supplémentaires ou deux, enfin deux atouts supplémentaires sur votre personnage. Voilà. Ensuite, il vous faut donc 15 pièces caméra. Donc les pièces caméra, ça marche comment? Vous posez votre caméra, une fois que votre caméra détecte un ennemi, si l'ennemi se fait tuer peu de temps après par votre collègue. Ou bien par vous, je crois, mais je crois que ça marche que avec le collègue. Au bout de, je crois, d'un certain nombre, 5 ou 8, je sais plus, vous débloquez donc une pièce caméra. Donc il faut en faire 15. Je vous donne une petite astuce. Mettez-vous donc en braquage de banque, posez la caméra sur, si possible, en hauteur, je vous conseille, ou bien sur les côtés, face à un point d'accès quand vous êtes en. Je crois en plus il y en a deux. Quand vous êtes en flic, par exemple dans braquage de banque, il y a deux accès sur les côtés. Mettez-les face à face, les caméras, de manière à ce qu'ils puissent repérer tout ce qui arrive. Et là, normalement, vu que c'est du combat rapproché, vos collègues devraient forcément les tuer. Donc vous pourrez forcément donc débloquer une à deux pièces par partie. Ensuite, il vous faut donc 15 pièces. Alors attendez, je regarde. 15 pièces Marksman. Donc je crois que Marksman c'est. Si je me souviens plus, parce que là j'ai le truc en anglais, excusez-moi. Voilà, c'est les tire-têtes. Voilà, tire-têtes, excusez-moi. Donc les tire-têtes, il faut faire 15 tire-têtes. Donc à plus de 250 mètres. Ça change pas, je crois, de BF4. BF4, je crois que c'était un petit peu plus. C'était 25, je crois bien, ou 15 aussi. À plus de 250 mètres. Bon, vous me direz après là pour ce mode de jeu, poursuite infernale peut être très utile si vous mettez de très loin en hauteur. Sinon, la conquête aussi peut faire l'affaire, mais je pense que le braquage de banque c'est pas tip top pour faire ça. Voilà. Bon bah une fois que vous avez donc débloqué tout ça, donc normalement vous aurez l'arme qui devrait se débloquer tout seul. Si ce n'est pas le cas, allez voir le Battlelog comme je disais avant. Regardez donc votre tâche. Si votre tâche n'est pas débloquée ou que et que tout est coché, contactez-moi sur le forum, donc sur Battlelog, ou bien allez voir faire un tour sur le forum ou contactez donc Battlelog. Voilà. Si la vidéo vous a été utile, donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à liker, à laisser un commentaire et à partager. Allez, salut tout le monde! Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir une de mes deux dernières vidéos. N'hésite pas non plus à t'abonner sur mon Twitter, à t'abonner sur mon Facebook, ou même simplement t'abonner sur ma chaîne. Allez!